this place where I live, where I was born, where I've grown, made a world of my own, a world you never know. My Little Chip Dictaphone, c'est un groupe qui existe depuis plusieurs années maintenant. On a déjà fait 2 albums. Mais ici, c'est un peu un nouveau départ. On se rebaptise plus MLCD parce qu'on a un nouveau musicien maintenant et c'est un nouveau projet un peu d'opéra pop. Et la musique aussi a assez changé. On a eu envie de faire quelque chose de plus orchestré. Donc voilà, c'est le troisième album, mais c'est à la fois un nouveau départ aussi. Run away, get away, find a place you can hear. Music got to my head. It was always around. When I stay in my room, how does count for them sound? Made me fly. On a toujours aimé assez faire des choses un peu scénographiées, avoir un univers, raconter une histoire, etc., etc. Et pour cet album-ci, on a eu envie de vraiment de franchir un cap et de plutôt qu'un peu travailler toujours nous-mêmes entre nous sur ce qu'on voulait faire. On s'est entouré de personnes, aussi bien pour le spectacle que pour un décor, pour une scénographie, que pour les arrangements de musique classique, des arrangements symphoniques sur l'album. Et l'idée a grossi en fait de plus en plus, parce qu'au début on voulait juste raconter une histoire et avoir un peu un visuel, mais à force de travailler avec des gens, chaque étape a grossi et on s'est retrouvé à avoir des arrangements symphoniques sur chaque chanson, à avoir voilà, un décor qui se montait, des vidéos sur chaque chanson et une histoire qui se raconte de A à Z. I'm so long, you live, can't leave them. You have nothing to kill, you have no sense of kill. He was out, he was drunk, he was beat down. I was scared of feeling hurt, I was weaker. I have nothing to kill, he had nothing to kill. Vous voulez une musique assez orchestrée, assez rêveuse, assez féerique. Et vraiment donner un univers. Chaque chanson en fait raconte une étape de la vie du personnage. Et à travers la musique, à travers les paroles, à travers la manière d'interpréter les titres et de faire l'orchestration, c'est le parcours d'un musicien en fait. C'est assez inspiré de biographies que j'ai lues, comme celle de Brian Wilson des Beach Boys, celle de Johnny Cash, celle de Tom Waits, etc. Et c'est souvent, on remarque que c'est des personnes qui ont en commun d'avoir de lutter toujours un peu contre leur démon intérieur et d'avoir eu beaucoup de problèmes à gérer leur carrière, leur succès, leur traversée du désert. Pour parler de l'enregistrement, on est allé enregistrer toute la base des morceaux à Amsterdam avec le producteur et l'ingé son de Alan Morestrack. Donc ça nous a déjà pris plus ou moins 2 mois. On a aussi enregistré une partie dans notre studio chez nous à Liège. On a eu aussi des guests invités pour le chant. Donc il y avait le chanteur de Mercury Rêve qui a chanté aussi, qui a fait ça dans son studio. Il y avait aussi le chanteur de Blacker Procession qui a chanté. Donc on a reçu un petit peu tout ça plic-ploc pendant toute la période d'enregistrement. Ensuite on a fait mixer à Liège quelques morceaux. On a fait aussi mixer beaucoup de morceaux à Dallas avec John Congleton, le mixeur de Polyphonic Spree par exemple, Modest Mouse, etc. Et on a masterisé à Londres aussi, donc c'était vraiment une grosse organisation. Waste your time, just for your mind. Control your life, don't look behind. Black is white, open your eyes. Life is no doubt, be a man, wake up now. Just a motor inside. Oh.
visuels, on a beaucoup travaillé avec les metteurs en scène du spectacle, qui s'appelle Eve Martin, qui avec son copain Nico Bueno fait partie de Bubble Duchesse. C'est celle qu'on a été trouvée au début quand on lui a parlé du projet de spectacle et qui a vraiment pris les choses en main, qui nous a guidés de A à Z. On est parti des références années 50, même si ça ne se voit pas entièrement ici, mais c'était une interprétation. Donc on a vraiment voulu partir dans quelque chose qui est plus modélisé et graphique, donc en utilisant toutes des références qui parlaient aussi bien à Mika et Xavier qu'à moi. Et donc à partir de là, on a commencé à travailler autour de son histoire en essayant de l'intégrer dans un univers 50s contemporain, si on peut parler, en utilisant des matériaux qui sont évidemment beaucoup plus modernes, comme le phosphorescent, le compositing en vidéo, etc. etc. Et donc nous, notre volonté aussi, c'était de tenir compte du fait que les gens viennent d'abord voir un concert, ils viennent pas voir un spectacle avec des vidéos. Donc on voulait laisser vraiment vivre la musique et avoir aussi bien une part visuelle qu'une part musicale, mais qu'on laisse vraiment la musique respirée par rapport à ce décor et par rapport à ces vidéos qui donc viennent, c'est un peu des allées et venues entre ce qu'on crée donc à la lumière avec Clément, la musique et les vidéos qui racontent et qui soutiennent les textes de Résolu. Stop, waste your time, just for your mind, control your life, don't look behind, black is white, open your eyes, life is no doubt, be a man, wake up now, just mold your side. Un symbole qui va revenir dans les vidéos et qui représente bien, en fait, c'est le vertige. Il y a quelque chose de très vertigineux.